Après avoir accédé à la page principale, vous allez se connecter avec votre identifiant et mot de passe. Dans le cas d'oubli du mot de passe, vous pouvez le récupérer avec la méthode suivante. Pour réinitialiser votre mot de passe, envoyez votre nom d'utilisateur ou votre adresse email ci-dessous. Un courriel sera envoyé à votre adresse email avec des instructions permettant de vous connecter. Une fois connecté, vous êtes sur la page d'accueil. Cette page vous permet d'avoir un aperçu général sur vos pages les plus utiles afin de vous faciliter l'accès. Consultez votre profil. Cette page comporte des liens vers d'autres pages qui vous permettent de modifier les informations de votre profil ainsi que vos préférences. Message personnel. Cette page vous donnera accès aux messages envoyés soit par vos collègues de formation, soit par votre tuteur respectif. Votre parcours. Ici, vous pouvez consulter votre parcours de formation, notes, progression de votre apprentissage. Tableau de bord. Cette page vous donne l'accès direct à vos cours et activités non vues, les discussions dans le forum non lues et les devoirs à remettre. Événements. Vous pouvez voir ici tous les événements futurs dans une liste, leur date d'accès et leur date limite. Ceux-ci sont générés directement depuis le calendrier et ou les activités datées. Offre de formation. Dans cet espace, nous vous présentons toutes les formations dispensées par FADEP. Préférences. Sur cette page, vous pouvez configurer votre profil, la langue de l'interface, vos paramètres liés au forum, l'éditeur de texte utilisé, les méthodes de notification. Espace de formation. L'espace de formation vous donne l'accès aux cours et à tous les outils qui ont pour but de vous faciliter l'apprentissage. Une fois vous avez accédé à la page de la formation, vous pouvez consulter les cours, visualiser les vidéos, réaliser vos tests, télécharger vos rendus et les déposer dans l'espace de dépôt dédié pour chaque unité. FADEP vous souhaite une bonne formation.